Je vais te montrer. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Izuna, si tu me fais la honte aujourd'hui, n'ose pas me faire la honte. N'ose pas. Ne fais pas la honte aujourd'hui. Hein? Tu vas voir ce que je vais faire. Ah, voilà. Oui. Oui. Ça, c'est mon fils, papa. Chérie, tu es. C'est la force que tu vantais. Tu n'es même pas fort. Chérie, je ne te croyais pas aussi faible. Vous allez vraiment me blâmer. Vous allez le faire. Non, non. Vous allez faire votre fils. Votre fils est l'homme le plus fort dans toute cette communauté. J'aime ça. Tout le monde sait que plus l'ennemi dépasse, commençant par là, jusqu'à là-bas. C'est comme ici. Jusqu'à là-bas. Tu peux le dire encore. C'est bien que je le dise toi-même comme ça. Fais expérimenter ta force, n'est-ce pas? Il est le plus fort. C'est lui l'homme le plus fort ici. Je suis très fier de lui. N'est-ce pas? Ah, et me salue encore. Merci beaucoup. Allez, moi, je m'en vais. Avant que tu n'arrives à me tuer ici. C'est bien comme ça, comme ça, tu vas dire à tout le monde qui est celui-là ici. Ichi, hein? Moi je m'en vais. Oh, Izuna, Izuna. Oui, c'est bon, allez. Ça de ma part. Izuna, oui, c'est comme ça que tu veux devoir briller ici, tout le temps, mon fils. Cette histoire devient de plus en plus effrayante. Papa, parmi tous les hommes dans ce royaume, je suis le seul à être inquiété. Très bien. Écoute un peu ce qu'il dit, hein? Un vrai homme ne suit pas son cœur, mais c'est ta tête que tu dois suivre maintenant. Celui qui monte sur le chemin de la réussite ne peut pas garder la clôture. Celui qui se bat pour la vengeance ne met pas des barrières non plus. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Je comprends. Izuna, tu sais pourquoi nous nous battons comme ça? Tu sais pourquoi je te prépare? Izuna, il faut que tu sois un homme. Izuna, Izuna. Papa, je dis à toi. Fais attention. Papa. Très bien, mon fils. On se remet ça, papa. Hein? Okereke bia gbere njip njip oriya buro dukai oriri njip njip oriya no okonko bia gbere njip njip oriya no dukai oriri njip njip o oka mode pen njip njip oriya mo dukai oriri njip njip oriya no ude pode pen njip njip oriya no dukai. Les grands et coucou de notre village. Oh non,
le fils de Umbacho. L'aide du Dieu, je te salue. Oh non, bienvenue. Qu'est-ce qui t'amène ici, chez moi, comme ça? Je suis venu te donner cette chèvre. Oh, 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 tu as bien fait. Oh, merci beaucoup. Oh non, Umbacho. Ah, merci beaucoup. Que les dieux te soient favorables. Hein? Les dieux te saluent. Papa, j'espère que tu t'es régi de ton pouvoir. Oh, exact, ma chère fille, exact. J'ai spécialement demandé aux gardes d'aller prendre quelque chose chez Hugo ce matin. Merci, ma princesse. Oui. Papa, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce que cela peut bien être? La personne qui est sur Oumama, bien sûr. Papa, ils veulent juste marcher sur nous parce qu'on n'a pas de grands guerriers dans notre village. Même pas un pour nous défendre. Mais je suis un guerrier. Papa, c'était dans le passé, papa. Actuellement, tu es si vieux. Papa, laisse-moi te dire que le royaume de Mulugu compte plusieurs guerriers. On n'a même pas un. Papa, sérieusement, tu dois faire quelque chose à propos de ça. Je ne veux pas être celle qui échouera. S'il te plaît, papa, s'il te plaît. Ma princesse, la terre de Ouessian ne peut jamais être esclave de quiconque, même pas au petit frère de Umuko. Je veux que tu fasses ceci pour moi. Quel que soit quand tu veux sortir, rassure-toi d'avoir un nombre de gardes avec toi. Cette bande de paresseux. Papa, je compte bien te laisser. Tu peux y aller. Oh, papa, merci. Ma princesse. Udodi est le meilleur tireur de 20 balles. Un meilleur. Ne vous en faites pas, laissez-la partir. Elle changera d'avis. Allez, mais bois toi, na le vous moi. Les médicaments traditionnels, ça prend beaucoup de temps de travailler. Il y a maintenant combien d'années, maman? Combien d'années?
Qu'es-tu en train de dire? Nous avons tout essayé, mais tu ne vas pas mieux. Au contraire, ta maladie ne fait que s'empirer. Ta santé me préoccupe. Je veux que tu ailles mieux pour moi, s'il te plaît. Ne te dérange pas, ma fille. Tout ira bien. Crois-moi si je te dis que ça ira mieux. Ne te dérange pas, ça va aller. Et tu sais, il y a de cela 20 ans, depuis que j'ai commencé à utiliser ces herbes. Tu vois maintenant ce que je disais? Tu vois ce que j'ai dit. Pendant 20 ans, et puis tu me dis, ça prend le temps de marcher, ça prend le temps de marcher. Est-ce que 20 ans, c'est 20 jours? Ma chère, laisse que l'âme de ta mère repose en paix. Que cela soit ainsi, mais maman, pardon, je vais te trouver un autre médecin. Elle a beaucoup contribué à ma survie. Quand je l'ai rencontrée, tu n'avais que 3 ans. 3 bonnes années. Elle m'a expliqué comment son mari l'a quitté, ton père. Je fais de même moi aussi. Je lui ai raconté toute ma vie, tout mon vécu. Elle m'a accueilli à bras ouverts. Elle a appelé son herbaliste qui m'avait mis sous un traitement pour que je me remette. Jusqu'à 6 jours où elle était partie, elle s'est endormie pour ne plus se réveiller. Elle s'est endormie pour de bon. Maman, c'est bon, arrête de pleurer. Maman, c'est bon. Je veux te dire grandement merci pour avoir bien pris soin de moi. En dépit de la condition de ta santé, maman, tu as pris soin de moi. Ce n'est pas facile. J'en suis reconnaissante. Merci. Et maintenant que je suis grandie comme une demoiselle très brillante. Je te promets de prendre très bien soin de toi, maman. Je prendrai soin de toi. Aussi longtemps que je vivrai, tu ne manqueras de rien, maman. S'il te plaît. Permets-moi de trouver un autre médecin pour toi. Ta santé ne va pas bien. S'il te plaît. T'inquiète, Taïra. Est-ce que tu peux m'aider à me lever pour entrer à la maison? Tu veux aller à l'intérieur? Aide-moi à me lever. Aide-moi à me lever. C'est ce que j'ai fait toujours. Sa médecine ne marche même pas et je ne sais même plus quoi faire. Hein? Il ne fait rien de bon parce que ta santé se détériore chaque jour. Les dieux sont contents de toi. Onohu, de qui s'agit-il cette fois-ci que tu veux que j'envoie très tôt à la tombe? Parle, les dieux t'entendent. Le roi et ses possédants. Ma requête est le roi. Je vais en finir avec lui. Il doit rendre l'âme. Je veux ce trône. Et je suis toujours reconnaissant. Oui, tu l'auras. Ta requête te sera accordée. Mais d'abord,
Laisse-moi chuchoter avec les dieux afin de savoir ce qu'ils pensent. Hein? Les dieux veulent te donner ce que tu as demandé, mais seulement à une condition. Dis-le maintenant, autrement les dieux d'Uzaba fera son choix. Et qu'est-ce que ça pouvait être? Les dieux veulent que tu donnes n'importe quelle partie de ton corps au dieu de la colère, Uzaba. Est-ce que tu m'as bien compris? Papa? Oh, Izuna. Izuna. Oui, papa, je vais maintenant partir. Hein? Oui, papa. On se voit après. Tu n'aimes pas te reposer. Apprends aussi à te reposer, Izuna. Papa, je vais devenir un grand guerrier aujourd'hui. Oui, je sais que tu vas l'attraper. Hein? Oui, papa. Ok. Vas-y, oui, papa. Au revoir, mon fils. Oui, prends soin papa. De toi. Papa? Papa, qu'est-ce que j'ai appris à propos de Umueza et Munoko? Qu'est-ce que tu as entendu? Papa, j'ai appris que le roi Ezekwese envoie les guerriers pour Umupo et Mouezane. Le moment que tu attendais est arrivé, Izuna. Izuna, il faut que tu ailles à Umuezane demain. Demain très tôt. Très tôt le matin. Papa, tu peux avoir raison. Mais je vais juste savoir, ils se battent pourquoi? Izuna, tu ne peux pas comprendre. C'est vraiment une très longue histoire. Papa, essaie de l'abréger. Je suis là pour entendre. Assieds-toi, Izuna. Ezane et le frère aîné à Ubo, frère de sang, avec le même nom. Agede. Agede. Ezane est un très bon fermier, alors que Ubo est un chasseur. Papa, est-ce pourquoi Umo est fort en chasse? Et Umezane est très très bon en agriculture. Ezane et Ubo étaient auparavant de très bons frères, mais un jour, Ubo est allé faire la chasse dans un endroit très lointain et n'est plus jamais revenu. Et il s'est installé là-bas. Il a même épousé une femme et il a eu des enfants. Il a appelé ses enfants Umo Ubo, tandis que Ezane s'est aussi marié. Et il a aussi beaucoup d'enfants qu'il a appelés Umo Ezane. Alors, après un très long moment, Ubo est alors revenu. Il a cherché son frère et il a rencontré son frère. Donc tu vois, Ezani était très heureux de voir encore son frère. Mais, demande-moi quoi, il était fâché à cause de ce que son frère Ubo lui avait dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit, papa? Sais-tu que Ubo est venu dire à Ezani qu'il serait bon pour eux de mettre ensemble tous leurs enfants, les mettre ensemble, qui sont Umobo et Umuezane, afin qu'ils soient tous un et qu'ils forment tous Umo Agede.
et avec l'intention que lui, Ubo, deviendrait le roi. Ezan s'est mis en colère. Ezan était en colère parce qu'il a dit que c'était lui, le frère aîné. Alors c'était lui qui devait être le roi. Et il est parti en colère. Et il est allé se couronner. Le roi de Umubo. Alors que Ezan s'est aussi couronné le roi d'Umuezan. Maintenant, Umubo sont encore de retour. Avec la même histoire. D'avoir un seul Umuagede. Ils ont alors forcé le roi Ezekusere de signer une bataille pour eux, de sorte que celui qui perdra servira l'autre. Papa, si j'ai bien compris, Umoko va défier Umuezane parce qu'ils ont plus de grands guerriers que Umuezane. C'est la raison pour laquelle tu vas quitter ici demain matin à Umuezane pour les aider à vaincre Umubo. Alors, je suis l'envoyé des dieux, papa. Izuna. Papa. Je veux te dire que tu dois essayer de gagner l'amour du roi Ezekwesere afin que notre plan réussisse. Papa. Je te connais. Izuna. De toute façon, nous ne devons pas nous inquiéter pour ce que tu as entendu. Tu peux aller où tu devais aller. Merci, papa. Papa, ne t'en fais pas. Je t'amène un grand repas aujourd'hui. Hein? Oui, tu sais très bien quel genre de viande moi j'aime. Au revoir, papa. Oui, bonne chance. Prends soin de toi. Hey! Papa! Papa, comment tu peux? Comment tu peux faire ce genre de choses? Ma princesse, qui y a-t-il? Papa, je venais juste de la rivière. J'ai entendu le village dire que toi, le roi, veux qu'on aille se battre avec Omokudu. Papa, comment tu peux faire ce genre de choses? Comment? Tu veux que tout le monde meure? Comment tu peux faire ça? Il y a plusieurs choses que tu as besoin de savoir. Assieds-toi. Bien, exact. J'ai bien approuvé la bataille. Pourquoi, papa? Pourquoi tu peux faire ça? Souviens-toi de l'histoire que je t'ai dite. Il y a quelques jours, à propos de comment Omoizian et Omoko sont venus en existence et ce qu'ils ont en commun. Oui, je m'en souviens. Umoko a commencé un jeu. Il voulait un seul et unique roi. Mais Umoko, en tant que roi, je leur ai répondu non. Omoiziane ne peut jamais être renversé. Papa. Papa, on n'a pas de grands guerriers dans notre village. Omoiziane n'a pas trop de guerriers. Umoko en a. Papa, c'est bien évident que ils vont nous défier et nous tuer. Jamais. À moins que les dieux d'Omoiziane ne soient plus en vie. Les dieux de Omoiziane nous aideront sûrement à combattre Umoko. Et les feront connaître que nous sommes les vrais propriétaires. Ma princesse, ne t'inquiète pas surtout. Surtout détends-toi. Relax. Observe et regarde. Papa, tu dois vraiment faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Thank you.
Maman Ziokoe. Oui. Ton fils sera rétabli dans 3 jours. Veille à la cure que je lui ai laissée. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Izuna. Izuna, tu t'es formé comme un grand guerrier en attendant que ce jour arrive. Aujourd'hui, tu iras vers le roi Ezekwesiri et Imbacho pour le faire tomber. Ezekwesiri a tué ton père, est-ce que tu m'entends bien? Pour garder son trône. Et il s'est fait roi. Et il a fait de Imbacho son Onowu. Je veux que tu ailles à Umwezane et nourris pour eux le peuple de Umuwo. Sois leur héros et leur sauveur. Et donne leur l'unique Umuagede qu'ils désirent. Tue Ezekwesiri. Car il a tué ton père et le trône n'appartiendra à ta sœur. Il n'y aura pas la paix pour le faible. Roi Ezekwesiri, je veux t'anéantir et prendre ce trône. Et ça sera ainsi. Il sait. Je dois maintenant partir, papa. Une autre chose. Rappelle-toi toujours de mon conseil. Les femmes sont des tueuses de destinée. Elles peuvent te changer de bon en mauvais et de mauvais en pire. Ne tombe jamais amoureux d'une jeune fille. Sinon, tu seras détruit. Izuna, sois toujours concentré et les dieux seront avec toi. Bien compris, papa. Merci. Izuna, sois concentré. Les dieux seront avec toi. Adieu, mon fils. Adieu. Adieu. Nous devons venger ta mort. Oui. Ah, mon frère. La grande sage. Salut à toi, Ozuna. Tu te diriges à Umwezane. Je ne suis pas surpris et je sais que vous connaissez la raison pour laquelle j'y vais. Je vois ton cœur est rempli de revanche. Je vois comment ton cœur est prêt à tuer et à détruire. J'aimerais t'empêcher de t'engager dans cette bataille, mais je te laisserai faire. En une condition. La grande sage, dites-moi les pourquoi. Vas-y. À la fin, tu trouveras toi-même la raison. La grande sage. La grande fille des dieux de tous les temps. Répondez-moi à la requête que je vous ai donnée, s'il vous plaît. La grande sage. Lève-toi. Vas-y, les dieux sont avec toi. Ah, merci la grande sage. Attends. Je vais avoir un présent venant de toi.
Ah, la grande sage, les cadeaux. Je n'ai aucun cadeau à vous offrir. Si ça ne vous dérange pas, je peux aller très vite vers mon hut pour vous apporter le gibier que j'ai attrapé récemment. Je n'ai pas besoin de tout ce que tu as mentionné. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Fais-moi porter l'un de tes bracelets. Mon bracelet? Oui. Avec plaisir, la grande sage. Tu peux maintenant continuer ton voyage. Merci, la grande sage. Merci. Akoubé. Mazilo, je savais que tu viendrais. Écoute-moi très très bien. Reste loin de Izuna. Il n'a pas besoin de ton aide. Akoubé, tu me provoques. Sinon... Sinon quoi? Essayes-tu de jouer avec le feu? Même si tu es le feu, Akouba, je t'éteindrai avec l'eau de la rivière d'Isiokwe. Akoubé, je t'avertis, ne me provoque pas. Mazilo, tu veux danser au rythme des solo gbadé. Tu oublies que c'est la danse des esprits. Akoubé, tu en paieras le prix. Sache que la prochaine fois, je ne suis même pas de ce village. Je t'en supplie, hein. Je suis uniquement une simple servante dans le palais du roi. S'il te plaît, ne me fais pas du mal, je t'en supplie. Je ne suis pas de faire du mal. Je ne suis pas un fou. Ok? N'êtes-vous pas armé? Non. Mais tu es l'un de ceux... De ce guerrier d'Umuba, non? Non, je ne le suis pas. Je viens d'Emmanuel Dja. Je suis l'envoyé de Dieu pour aider les peuples de Ezan et de combattre. Je n'ai pas l'intention de te faire du mal. Es-tu sûr? Oui. Ah.
C'est vraiment louable de votre part. Donc tu veux dire que tu as justement quitté Agno Tchad jusqu'à Mwezani pour participer à la bataille des guerriers d'Oumo? Oui. Cela veut dire que tu es tellement fatigué. Oui. Parce que Agno Tchad est tellement loin d'ici. Veux-tu avoir un peu d'eau? Merci beaucoup. Je vous en prie. Tu es trop gentil. Mais de rien. Très gentil. En passant, on m'appelle Adane. On m'appelle Izuna. Ok, Izuna, je dois maintenant prendre ma route. S'il te plaît, peux-tu m'amener au palais du roi? Oui, bien sûr. Je suis actuellement servante dans le palais royal et l'assistante personnelle de la princesse. Dans ces cas, je peux t'y conduire. Ah, ok, ok. Passe devant, tu me conduis. Ok. Merci. Est-ce que c'est loin? Hein? Encore ça, je vais vous demander. Il dit ici à vous. Il dit à Bassi. On est trahis. On connaît tout. Aïe, aïe, aïe. Arrête-moi ça. Arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est ma partie intime? Je n'arrive pas à la trouver. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Oh non. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi ici. Oh non. Oh non, tu es parti d'ici. La dernière fois que tu es venu ici. Sans rien dire du tout. Après que je t'ai dit ce que les dieux demandaient de toi. Tu le savais. Ouzabara, les dieux de la colère. As-tu dit quelque chose? Alors Ouzabara a déjà fait son choix. Kurikoku, pourquoi c'est ma partie intime? C'est ce qui fait de moi un homme. Je t'en supplie, s'il te plaît. Je ne suis plus intéressé. Hein? Je serai le roi probablement. Toi et moi savions que je serai un roi des Ekwesele. J'ai signé la guerre entre nous et Umubo. Je n'ai pas assez de guerriers pour livrer la bataille. Omwezane, s'il te plaît, je ne suis plus intéressé. S'il te plaît, je fais quelque chose. Je vais redevenir comme avant. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah, Okudo. Oh non. Oh non, regarde dans cette eau. Regarde-y bien. Qu'est-ce que tu as vu? Ça c'est Adane, la servante du palais, et une autre personne. Cet homme que tu vois là s'appelle Izuna. C'est un très grand guerrier des Aniocha. Il va vaincre tous les guerriers des Umubo. Et amènera un Umagede uni. Il prendra la place du roi qui vient de Umwezane. S'il te plaît, je n'ai plus rien à foutre de cette histoire. Remets ma partie intime, je ne suis plus intéressé. Oh non, ou Nenyo? Nenyo? Ah, pour Nenyo, ici à Napota. Non, ou attends. Pas question. Attends. Ma partie intime, s'il te plaît. Adogu maze ti gba tago isi mmonwu nyaka nne etiri mkpu nke jewani chalata chiroku na buwe na ihe torogologo zawagu na taja manite ya mbere na abokoro obodo ihe je eme mmonwu. Bonjour votre majesté. Adane. Oui votre majesté. Qui est ce jeune homme avec toi? Je m'appelle Zunia.
et je viens de Banyota. Et quelle est ta mission ici? Je suis envoyé par les dieux pour aider les gens de ce royaume. Pour combattre les gens d'Umoko et de les anéantir. Et le roi va venir à Umezani. Es-tu un guerrier? Je suis prêt à vous l'éprouver tout de suite. Désolé de t'interrompre. On a assez de nombre de gardes dans ce palais. Mais aucun d'eux, même pas un, peut tuer un animal. Est-ce que tu comprends? Alors, ce n'est pas en ayant l'apparence de guerrier en toi. Ce n'est pas pour cela. C'est par la force que tu as. C'est ça qui fait un guerrier. Ma princesse, comme je l'ai dit, je suis envoyé par les dieux. Même avec cet habillement, je suis un grand guerrier. Dans ce cas, tu es le bienvenu dans mon palais. Merci, votre majesté. Garde. Majesté. Assure-toi de l'accompagner dans une très bonne, meilleure hutte de ce palais. Attends un peu. Olema, veuille à ce qu'on prenne très bien soin de lui. Ah, mais papa. Papa, tu ne la connais même pas bien. Adane. Oui, ma princesse. Tu rentres? Oui, ma princesse. Oh, tu peux juste rentrer dans ta maison. Votre Majesté, j'ai appris que les guerriers étrangers est ici. Et j'ai décidé de venir lui dire les bienvenus dans notre palais. Tu as bien fait, Ono. Son nom est Izuna. Il a été envoyé par les dieux pour nous aider à combattre les guerriers de Umoko. Oui. C'est une bonne nouvelle. La plus grande nouvelle jamais entendue. Il dit que son nom c'est Izuna. Exact. Salutations, votre majesté. Salutations, monsieur. Izuna. Voici Ono Mbacho. Ono, voici Izuna. Exact. Il est celui qui a été envoyé par les dieux. Ouais. Mon fils, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu à Umeza. Merci beaucoup. Sois le bienvenu, merci. Mon cher fils. Bien. Donc, tu peux t'asseoir, mon cher guerrier. On peut dire qu'on est prêt pour la guerre. Izuna, la nourriture est prête et ça, c'est à toi. Merci, merci. Ok, laisse-moi t'apporter de l'eau. Attends. Oui? Tu y as vraiment un bon cœur. Merci beaucoup pour le compliment. Encore merci. Je vous salue, ma princesse. Tu l'es servi? Oui. Tu peux aller continuer à travailler. D'accord, ma princesse. Je pense que tu es prêt pour demain. Je dis que j'espère que tu es prêt pour demain. Silencieux. Bien. Tu ne peux pas nous décevoir. Les dieux t'ont envoyé pour défendre notre royaume demain. N'ose pas.
Sur mon chemin de retour, j'ai vu le puissant guerrier de Omoizuana, conduit par Ozuna, le grand guerrier de Omuata. Ils ont tué tous les guerriers de Omubo. Je vais les lui dire au roi. Hey, écoutez, la victoire est à nous. Je vais l'informer les autres. Hey, la victoire est à nous. Notre victoire est arrivée, oh. Hey, la victoire est à nous, oh. S'il te plaît, n'y va pas. Je ne veux pas que tu partes maintenant, s'il te plaît. Reste juste en paix avec nous. Ma princesse, je dois partir. Ma mission ici est finie. Non, non, Ozuna, je suis vraiment désolée de la façon dont je t'ai parlé. Je sais que ce n'était pas si bon. Je suis vraiment désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Je veux que tu restes. Reste, s'il te plaît. Je suis désolée. Je vous pardonne, mais je dois partir. S'il te plaît. Pourquoi il a juste voulu partir maintenant? Ouzo. Ma princesse. Ma princesse, pourquoi êtes-vous en train de pleurer? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Ozuna. Qu'est-ce qui est arrivé, Ozuna? Ozuna veut retourner à Anuja. Je lui ai supplié et supplié. Il ne veut pas me pardonner. Vraiment? Où est-il maintenant? Il est déjà parti. Ma princesse, arrêtez de pleurer, ça ira. S'il vous plaît. Votre Majesté, il a été envoyé par des dieux. Quel genre de guerrier est-il? Je suis heureux d'avoir au moins un guerrier, mais Dieu le roi. Et oui, 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 oui. Je sais très bien cela. Hein? Mon père m'a nommé Ezekwesili. Personne ne peut me ravir la couronne. Tu as raison. Exact. Votre Majesté, Izuna, pourquoi que tu vas comme ça? Ma mission ici est finie. Je dois rentrer chez moi. Mon fils, tu as fait un truc remarquable dans notre village. Que les dieux soient avec toi. Rentre chez toi en paix. Ici. Non, non, non. Izuna, je t'en prie. Pourquoi ne restes-tu pas un peu plus longtemps? Hein? Je veux que tu restes à mes côtés. Je me sens en sécurité quand tu es à mes côtés. Pourquoi ne restes-tu pas? Encore un tout petit peu plus longtemps. Hum? Si ça plairait à mon roi. Non. Tu devrais les laisser partir. Tu ne peux pas les garder aussi longtemps. C'est un étranger. Il a fait sa part. Le dieu l'a envoyé pour nous aider à combattre les guerriers d'Umubo. Et il a fait sa part. Laisse-les partir dans son village. Tu vois, Ono, j'ai toujours rêvé d'avoir un homme comme lui en tant que beau-fils. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Ma princesse, vous n'avez plus à pleurer ou à vous torturer. Le roi a finalement convaincu Izuna de ne plus repartir. Tu es sérieuse? Oui. Oh, c'est très gentil, merci. Uzuma, tu es rentrée. Merci d'être venu. Tu es le bienvenu. Je suis vraiment désolée pour tout, ok? Merci d'être rentré. Souris un peu.
la grande Onodungene, la déesse de cette mer, de Umagidi, je viens te présenter la partie intime d'un ancien que tu avais demandé. Donne-moi la puissance de faire face à tout obstacle qui voudrait m'empêcher de remonter au trône. J'ai besoin de plus de puissance, plus de puissance. Très bien, mon fils. Maintenant, sois prêt pour recevoir la puissance. Ta demande est agréée. Maintenant tu as le pouvoir que tu avais demandé. Merci. Merci, la grande Onodungene. Merci. J'ai reçu la puissance. Aucune puissance ne m'empêchera d'accéder au trône. Ikuku. Je suis tellement mire contre le mire. Je n'arrive pas à comprendre. Il semblerait que j'ai perdu cette guerre. Je l'ai perdue par un étranger. Les rois Ezekwesele est en train de planifier de donner à Izuma les trônes. Ils sont en train de s'arranger pour donner Ulima, la princesse, à Izuna comme sa femme. Et tu connais la suite. Tu connais ce que ça veut dire. Maintenant, tu as un devoir. Débarrasse-toi d'Izuna et regarde-moi mettre le roi Ezekwesili par terre. Pour quelle raison veux-tu faire ça? J'ai déjà payé pour ça. Fais par toi. J'ai perdu ma partie intime à cause de ça. Mais Izuna n'était pas sur l'image plus tôt. Alors, si je vais tuer Izuna, il faut que notre sacrifice soit fait. Non. Je ne peux plus sacrifier aucune partie de mon corps. Pour ça, j'ai perdu ma partie intime. Dis-moi seulement ce que je dois faire. Ah, quoi, non, n'y a pas. Écoutez, rien. Mana ici, kalaka n'y a quoi, ne bougez. Ici, y a qu'à que bougez. Ogide anya koyo ni mwana naye prends ça hein prends en une quantité mets dans sa nourriture ou sa boisson hein et tu verras que tout sera fait hein très bien merci beaucoup onye lire elivie mitano. Oh no, where you going? C'est quoi? Et qui es-tu? Et quelle est ta mission dans cette maison? Je suis Akupel, la voyante et la guérisseuse de Anyocha. Je vois que tu viens pour défendre Izuna. Pourquoi tu chasses le vent? Je suis moi-même le vent. Comment oses-tu venir ici, dans le temple de Uzuabala, et poser des questions aussi stupides? À ma connaissance, je sais que Ubagwala, le dieu de la colère, ne peut résister à ma présence, puisque tu l'as déçu en invoquant l'esprit de la déesse Ogunguru. Arrête! Préserve ta puissance. Je sais que tu viens d'être chargé. Nous nous affronterons prochainement pour démontrer nos puissances. Je suis venu juste t'avertir de rester loin de Izuna. Sinon, tu seras mordu par les serpents. Izuna,
ne peut jamais accéder au trône. Le trône m'appartient. Arrête de donner au nom Mbatu l'espoir de succéder au trône. Pendant que tu connais la vérité sur ces trônes et tu sais que cela n'arrivera jamais. J'accéderai au trône et Oumou Agidi. Je serai leur roi et il n'y a rien que tu puisses faire pour ça. Je peux imaginer les derniers jours où tu seras voué à la mort. Par moi, sois averti. Comment oses-tu venir ici chez moi, toi petit objet? Si je te vois, ne serait qu'une fois de plus, alors je te mettrai à mort. Le trône de Oumou Agidi doit être à moi. Personne ne pourra l'éloigner de moi. Personne. Adani, tu peux apposer des lots encore? Oui. Je viens avec toi. Non, tu n'as pas à t'inquiéter. Je reviens. Nous allons aller ensemble. Laisse-moi t'aider. Vraiment? Es-tu sûr? Oui. Adane. Oui, ma princesse. Où vas-tu avec Ozona? Comme tu peux le constater, nous allons à la rivière. Ah, ne t'inquiète pas, je vais m'en charger. Ma princesse. Namaka, tu peux prendre ce bidon. Allons ensemble à la rivière. Adane, tu peux rentrer dans ta d'accord, maison. Ma princesse. Allons-y. Amamonya igeze nenowa gwanamonya mgeze be nenowa Ifene menu wana banyam mimi Ma princesse. Oui, Onowu. Il semblerait que vous alliez à la rivière. Oui, Onowu. Izuma. Je suis en train d'aller au palais pour te voir. Mais forme, oui. Pour quelle raison? Il n'y a pas de problème. Tu vois, ça c'est les fleurs fraîches venant de Dadi. Les grands tireurs des vents de palme de notre temps. C'est un privilège d'avoir quelqu'un comme toi en tant qu'un guerrier. Non, Ozona, fais un pas en arrière. Je te connais très bien que tu es un méchant ou non. Donne-le-moi. Peux-tu me les laisser? Oh non, je te connais très bien. Tu es un méchant ou non. Oh non, tu ne peux pas juste rentrer dans ta maison. Va chez toi. Mais pourquoi tu peux faire un truc pareil? Je ne le pensais pas chez toi. Je ne le pensais vraiment pas chez toi. C'est une insulte pour moi au nom dans ce village. Je le dirai à ton père, le roi Ezekwesili. Il n'approuvera pas. Le roi n'approuvera pas. Tu ne peux pas faire ça à moi. Va chez toi. Oh non, inutile. Bah, très inutile. Oh mon Dieu. Ce n'est pas possible. Ozona. Ozona, je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. Pourquoi tu as fait ça? Ah, Ozona, quelque chose me dit toujours que Onaumba est en train de cacher quelque chose. Il est très démoniaque, c'est un démon. Ozona, en état guerrier, la mort est toujours proche. Il doit être prudent, apprenant des choses qui viennent de nulle part. S'il te plaît,
Regarde, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Mais on doit juste partir. Partons là où on partait. Onye mara onye bo onye. Onye mara onye bo onye. Does you trust? Maybe your enemies. There we come as helpers. There we come as friends. Power by the evil agenda. Evil. As-tu perdu tes sens? Comment oses-tu insulter un homme titré de ce royaume? Hein? Papa, papa, il est temps pour te parler soif. Et puis il cherchait qui prendre avec lui. Vas-tu fermer cette sale petite bouche maintenant? Que ceci soit la première et la dernière fois que tu insultes un homme titré de ce royaume. As-tu entendu? S'il y a quelque chose qui te dérange, tu m'en parles d'abord. Mais papa, il... Ferme-la. Maintenant, va dans ta hutte. Mes salutations, la grande sage. Salutations à toi, Ozuna. Adane, la servante du palais, partira à Onkore demain. Va avec elle. Mais si elle insiste que tu ne l'accompagnes pas, tu sais ce qu'il faut faire. D'accord, sage. Pourquoi devrais-je partir avec elle? Pourquoi devrais-je partir avec elle? Akube, tu joues avec la queue du lion. Je t'avais averti de rester loin de mon chemin. Je t'avais bien dit de t'occuper de tes affaires, mais tu ne voulais pas m'écouter. Akube, tu me provoques. Tu me pousses contre le mur, Akube. Tu me provoques. Izunao, Izuna. Izunao, où est-ce qu'il peut bien être? Izu, Naïla, salutations. Charlie, tu cherches qui comme ça? Naï, je n'ai pas vu Izuna, ça fait des jours. Alors je me suis dit de venir le chercher ici. Izuna a disparu. Naï, Izuna, disparu? Oui. Ça c'est impossible, non? Ça ne peut pas arriver dans ce village. Izuna s'est pris la tête. Il est parti d'ici il y a quelques jours, sans m'informer moi son père. Nae, c'est vraiment pas croyable, je n'arrive pas à croire ça. Izuna ne peut pas disparaître comme ça. Écoutez, Izuna est sûrement allé chasser et il a oublié le chemin quand il revenait ici. Izuna ne peut pas disparaître. Es-tu sûr? Oui, Nae. Charlie, va-t'en d'ici maintenant. Pars d'ici maintenant et ne reviens plus jamais ici pour chercher Izuna. Va-t'en d'ici, j'ai dit. Non. Va-t'en.
mon frère. La victoire doit être sûrement à nous. Il faut que je venge ta mort. Repose en paix, mon frère. Repose en paix, mon frère. Izuna, aimerais-tu manger quelques oranges? Je peux prendre quelques-uns pour toi. Oui. Ok. Attends. Oui. Je ne peux pas nier le fait que, à chaque fois que je te vois, mon cœur bat si vite. Adani, je sais que tu espères un jour que je te regarde dans les yeux et que je te dise que je t'aime. Oui. Oui, Zuna. S'il te plaît, dis-le-moi. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu m'aimes, s'il te plaît. S'il te plaît. Adane! Adane! Ma princesse! Adane! Attends, j'arrive! Adane, je t'aime. Mais mon père m'a dit que je m'éloigne des femmes. Voilà la raison. Adane! Où est-ce que tu pars? Je vais rendre visite à ma mère. Ah! Ta mère doit être fière d'avoir une magnifique fille comme toi. Et ta mère aussi doit être très contente d'avoir un grand guerrier comme fils. Peut-être qu'elle est fière. Je ne la connais pas, mais je la déteste. Je la déteste de toutes mes forces. Oh mon Dieu! Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi peux-tu haïr ta mère pendant que tu ne la connais même pas? Je pense qu'elle est déjà décédée, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas où elle est. C'est mal. Je suis désolée à ce sujet. Merci. Bon, je dois m'en aller maintenant. Je viens avec toi. Non, ce n'est pas nécessaire. Même prochainement. Chaque fois, j'ai envie de t'accompagner. Ça me plaît de t'accompagner. Je ne vais pas gaspiller le temps, d'accord? Laisse-moi partir, je reviens bientôt. Bye!
Maman, 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 maman. Hey, ma fille, maman, tu as une bonne mine. Merci. Maman, tu parais forte aujourd'hui. Les dieux l'ont fait, oh. Oh. Je suis contente. Maman, devine quoi? Quoi? Ok, maman, attends. Laisse-moi être bref. Tu as mes deux oreilles. Parle. Le peuple d'Umwezani et le peuple d'Ubo se sont mis ensemble comme un seul royaume. Et le roi Okoseli est maintenant le roi. Adane, dis-moi que c'est pas vrai. Maman, tu sais que je ne peux pas te mentir, non? Tu veux dire que Umwezani a défié les guerriers de Umubo? Il est dit un grand guerrier d'Umwezani envoyé par les dieux. Pas seulement un guerrier, mais un très grand guerrier. Et il a absolument éradiqué tout seul tous les guerriers de Umubo. Exact. Hé? Adane, maman, le fait que tu parles de guerrier me donne la joie. Ceci me rappelle mon défunt mari, Irwane, et ses deux amis, Ilabuchi et le roi Ezekosun. Ils étaient des grands guerriers de notre temps. Maman, vas-y doucement. Essaie un peu de m'éclaircir sur ce point. Essayes-tu de me dire que ton défunt mari était un guerrier? Aussi l'ami du roi Ekweseli? Mon mari était un puissant guerrier. Cela signifie tu as beaucoup à m'apprendre aujourd'hui. Laisse-moi prendre l'escabeau, j'arrive. Hey! Hey! Ah, dis maman. Donc c'est elle, la sorcière qui m'a abandonné quand j'avais 6 ans d'âge, juste pour vivre avec un autre homme. Oh Dieu, je suis tellement enragé, la douleur. Je te déteste, je te déteste, je te déteste. Izuna? Izuna, est-ce que ça va? Je vais bien. Je vais bien. Ok. De toutes les façons, je viens à peine d'arriver de chez ma mère. Ah. Bienvenue. Merci. Je suis désolée de ne pas t'avoir permis de me suivre. S'il te plaît, ne sois pas offensé. Ne t'inquiète pas, prochainement tu vas m'accompagner, ok? Très bien, j'ai compris. Je suis désolée pour l'autre jour. Et je sais très bien. Je comprends que tu avais une raison de ne pas vouloir que je te rejoigne. Je te comprends, d'accord?
Puis-je te poser une question? Vas-y, t'es libre. Pourquoi tu hais tellement ta mère sans pour autant la connaître? C'est trop dur à expliquer. Ma mère m'a abandonné quand j'étais enfant. Pour aller vivre avec un autre homme. D'autres mères pleurent lorsque leurs enfants leur sont enlevés. Certaines ont le courage d'abandonner leurs enfants pour vivre avec d'autres hommes. C'est vraiment décevant. Pourquoi tu as dit ça? La femme qui m'a élevée, l'enfant avait été emmené loin d'elle. Son enfant avait été enlevé par l'ami de son mari, du nom d'Olabuchi. Il lui avait forcé de manger la fleur empoisonnée d'Ugili. Et après, il l'avait jeté loin de son propre village, Umweziani, précisément à Anunu. Pendant qu'elle s'est battue pour survivre, elle courut auprès de ma défunte mère. Ma défunte mère l'avait accueillie dans la maison, appela un médecin pour commencer le traitement sur elle. Après cela, elle s'en alla. Ma petite maman s'en alla. Elle n'est jamais revenue. Malgré la condition de santé de Ifadigo, elle a veillé et elle s'est assurée à ce que je survive. Et maintenant que je suis devenue une grande fille mature, j'avais promis de prendre soin de cette femme. Cela m'a fait vivre. Ce n'était pas facile. C'est tellement une histoire émouvante. Je suis tellement désolée que tu sois passée par ça. C'est bon. As-tu compris pourquoi je dis ça? Les mères sont un précieux cadeau. Elles doivent être valorisées. S'il te plaît, tu ne peux pas haïr ta mère, peu importe ce qu'elle a fait. Père, un jour ou l'autre, c'est quoi? Comment peux-tu? Pourquoi tu m'as fait ça? Comment peux-tu être méchant à ce point? Tu m'as menti que ma mère m'avait abandonné quand j'avais 6 ans. Alors que tu es le seul méchant de ce village. Comment peux-tu être si méchant? Hein? Comment tu peux être comme ça et tu prétends être mon père? Izuna, tais-toi, écoute-moi. C'est ce qui est arrivé. Quand ton père, mon frère, est mort, ta mère a essayé de te tuer. Mais je t'ai sauvé de cette femme. Peux-tu t'entendre toi-même? Ce que tu es en train de parler là, ça a des sens? Ça a un sens au moins? Je suis très content de connaître la vérité. Je sais qu'il y a beaucoup de vérités que je dois connaître et je vais les connaître. Comment est-ce que tu peux t'appeler mon père? Regarde-toi. Izuna! Quoi que tu fasses, rassure-toi de tuer Ezekwesere. Oui, tu dois le tuer. Oui. On verra ça après. Père. Mon frère, nous avons tous les deux pris soin de cette forêt. Pour que Zekwesere soit assis sur ce trône,
Rien. Rien ne l'empêchera lui, Ezekwesili, de mourir. Et moi, me mettant sur ce trône, mon frère, continue de reposer en paix. Tu me manques. Ifa Adibo, j'aurais dû te tuer depuis, mais considérant le fait que tu ne m'as pas insulté, je te laisserai vivre, mais nulle part près de ton fils, Izuna. Maman? Maman? Maman, où es-tu passée? Maman? 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 La grande Onodungene, la déesse de cette mer, de Umagidi, montre-toi, je suis venu te voir, viens te montrer, la grande Onodungene. Partout dans ce palais, je n'ai pas vu un endroit où je peux le trouver. Hein? Ah, ah. Bien papa! Ah. Où est mon papa? Tu l'as vu? Calme-toi, ma princesse. Peut-être qu'il est en train de faire un tour au village. C'est vrai. C'est possible. Mon père n'y va jamais quelque part sans ses gardes. Ogefu, pourquoi tu restes là en train de nous regarder? Va chercher mon père! Dégage d'ici! Je cherche mon père, je ne le trouve pas. Il vous dit que
Le grand Gyo Gono. Jamais vu. La nouvelle s'est répandue dans le village. Partout dans le village. Et je crois que ça va marcher. Je suis à présent sûr que le roi Exegocélé va maintenant mourir. Hein? J'y ai pensé autant. Hein? Oh mon vieux Gligliog. Oh mon vieux Boudonye Koulobiamba. Hein? Obledi Kakana. Et je vois les couilles. C'est la vérité, tu as raison. Ah oui. Oui. Hé hey, maman, où es-tu? Je t'attends ici. Je t'ai pardonné, je suis plus en colère contre toi. Maman, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour mon fils. Qui es-tu? Je m'appelle Izuna. Je suis venu voir Ifa Ligo. Ah, elle est ma mère. Ta mère? Oui, je suis passé ici il y a 3 jours, mais je n'ai pas été capable de la trouver. Je suis inquiet. Je suis un médecin herbal. Je l'ai traité. Mais ça fait 3 jours maintenant que même moi je ne l'ai pas revu. Je me demande où est-ce que Adan a bien pu l'emmener. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Jeune homme, reviens demain matin. Je crois qu'elle sera déjà de retour. Es-tu sûr? Oui, j'en suis sûr. Ok. Merci. Hein? Je t'en prie, mon fils. Je t'en prie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi par cette visite inattendue? Tu as quand même essayé de me tourmenter. Mais aujourd'hui, je veux mettre fin à ce petit tourment. Je suis Akubel, la vraie fille de Dieu. Celle qui remporte toujours sur ses ennemis. Non! Non! Oh. Garde ta puissance! Parce que tu ne peux même pas imaginer d'où j'ai pris la mienne. Je sais qu'avec cet objet, tu contrôles les mouvements des Izuna. Mais aujourd'hui, je veux mettre fin à tout ça. Tu as dit que tu es la fille des dieux. Appelle ces dieux maintenant, qu'ils viennent te sortir de ma captivité.
Appelle-les. Invoque-les. Mes salutations, le grand guerrier. Oui, bonjour. Adani. Izuna. Où allais-tu en ce moment? Je vais voir ma maman. S'il te plaît, je peux venir avec toi. Ne dis pas non, s'il te plaît. C'est d'accord, tu peux venir avec moi. Es-tu sérieuse? Oui. Merci, merci. Merci beaucoup. Izuna, s'il te plaît. Je sais que tu m'aimes. Mais je veux t'entendre me le dire. S'il te plaît, peut-on parler de ça? Après avoir vu ta mère.
s'il te plaît. C'est d'accord. Ok, laisse-moi prendre mon arme. Où se trouve? Ok. Peut-elle bien aller? Peut-être elle est allée acheter quelque chose pour elle. Pas du tout. J'étais sûre de l'acheter tout ce qu'elle avait besoin dans cette maison. Elle ne pouvait pas quitter la maison. Où peut-elle être? Je ne sais pas. Hein? Itiajala, le malade. Oui, allons-y vite, suis-moi. Itiajala, es-tu là? S'il te plaît, viens. Venez, s'il vous plaît. Itiajala, s'il te plaît, où est ma maman? Qui? Je ne comprends pas. Je te pose la question de savoir où se trouve ma maman. Il y a de cela 5 jours que je ne l'ai pas vue ici. Quoi? Oui. Je l'avais laissée en bonne santé. Et toi, jeune homme, est-ce que tu la cherches encore? Qu'est-ce que tu insinues? Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Par là. Oui, je me rappelle ce visage. Ce n'est pas toi, Izuna. Je ne t'ai jamais vu avant. De quoi parles-tu? Ce n'est pas toi qui cherchais. Itiajala! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Itiajala! Ma tête, oh! Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? C'est innocent! Il voulait dire quelque chose à ton sujet! Non, je veux que tu te calmes! Arrête de crier, calme-toi! Écoute, arrête de pleurer, je vais comprendre ce qui se passe! Arrête de pleurer, calme-toi! Je n'ai rien fait du tout, arrête de crier, calme-toi! Je ne connais pas! Attends! S'il te plaît, laisse-moi attends-moi! Attends-moi! Laisse-moi! Écoute-moi! S'il te plaît! Qu'est-ce que tu peux dire pour ta défense? Quoi? Je t'en supplie! Je t'en supplie pour tout ce que j'ai de plus cher! Ramène-la-moi! Elle est ma seule espoir! S'il te plaît! Libère ma maman, s'il te plaît! Je sais bien que peu importe où elle se trouve, elle n'est pas en sécurité! Je t'en supplie, relâche-la! Je sais que tu as de la haine envers elle. Je sais que tu la considères, tu la détestes, ça je le sais, mais pour mon bien. S'il te plaît, elle est mon unique espoir. Juste libère-la, s'il te plaît. Je ne la garde pas. La dernière fois que tu étais parti à ta maison, je t'avais suivi. Et j'avais entendu tout ce que tu lui disais. C'est là que j'ai compris que c'était ma mère. Ne me dis pas ça! Écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Quand j'étais rentré au palais, j'étais encore retourné tôt matin pour la voir. Et on m'a raconté que quelqu'un l'a pris et est parti avec elle. Hein? Je ne suis pas en train de te mentir, s'il te plaît. Maintenant, dis-moi. Pourquoi, monsieur, il l'a beau t'avait éloigné de ta propre mère? Je ne sais pas, je ne te mens pas. Mais je vais la trouver, je ne sais pas. Éloigne-toi de moi. Laisse-moi. Écoute-moi. Attends. Laisse-moi. S'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Nous allons trouver notre maman, ok? Il fait menace mancha, ma caisse besagne. Abandonne elle ce chacha, fana na fofo.
Mange la nourriture. Je crois que ça te suffit. Izuna, pourquoi es-tu en train de me punir ainsi? Je pensais que tu disais vrai. Je ne savais pas que tu étais là pour une autre mission. Je ne te blâme pas. Je blâme les dieux qui ont utilisé un meurtrier comme vous, comme un roi. Je ne suis pas un meurtrier. La ferme! Ferme-la! Ferme-la! Je vais te faire souffrir et tu vas boire ton propre sang. Je vais te faire souffrir comme un rat. Même la voix a de l'air. Va te rejeter. Je veux te voir demain, roi Ezekwesili. Dieu de notre terre, oh Dieu de mes ancêtres. Si vous êtes toujours en vie, sauvez-moi. Je vous en prie, sauvez-moi. Adanna, tu dois arrêter de pleurer, s'il te plaît. S'il te plaît. Je sais, mon père avait soudainement disparu. C'est aussi quelque chose qui nous blesse en retour. S'il te plaît, tu dois juste arrêter de pleurer. Hey! Ils aiment été ici le matin. Très tôt matin. Il a dit que mon père n'est pas mort. Il a dit que mon père sera retrouvé. Hey! Donc, tu dois arrêter de pleurer. Hein? On a toujours l'espoir. J'aurais aimé que tu comprennes que je ne suis pas en train de pleurer à cause de la disparition du roi. Toutes deux avons le même problème. Ma mère aussi a disparu. Je suis en train de pleurer à cause de la disparition de ma mère, non pas à cause du roi. Mon Dieu. Tout ira mieux. Ok? Tout ira mieux. Je ne sais pas quand est-ce que je reverrai encore mon père. Uzuma, tu as vu mon père? Ça, c'est mon devoir. Je ne vais pas seulement le tuer à cause de ce qu'il a fait à mon père. Oh. Dis quelque chose! Ma princesse, où qu'il se trouve, le roi sera trouvé. Uzuma! Je vais te voir à l'intérieur. I wish I have a mirror to see the heart of my friends. Makonye mama de nebo ya. Makonye mama de nebo ya. So beauty outside, but inside you full of evil. Ewo kuwasi atio. Ewo watu wemo onye kamgezebe.
Bienvenue dans mon temple. Assieds-toi. Odugwa Djedjemba. Il y a d'ici là trois jours que les rois Ezekwesele ne se voient pas. Je sais que tu les gardes. Mort ou vivant, personne ne sait que c'est toi. À ce stade que je vois, maintenant je te crois. Il sait que tu m'as pas menti. Comment puis-je l'épargner? Bientôt tu... Mais pourquoi tu perds le temps d'annoncer sa mort? Est-ce qu'il sera couronné comme un roi? Tu seras couronné comme tu roi. Tu sais que je le veux vraiment. Je sais. Tu seras le roi. Mais d'abord, attendons ce que les dieux ont à dire. Moi, je dors. Parlez, nos dieux, parlez. Je vous écoute. Oui, je vous entends. Je vous entends très bien. Onohu. Les dieux doivent toujours parler. Hein? C'est pourquoi nous sommes ici, au temple. Hein? Ils ont parlé. Onohu Grigrioko. Onohu Mbacho. Les dieux ont dit ceci. Tu vas prendre cette eau. Tu vas là-bas, tu laves ton visage. Très bien, très bien, très bien. Ikoko, pour quelle raison? Pourquoi? C'est pour que tu voies clairement, pour que tu sois capable d'apparaître et de disparaître. Là où les rois Ezekwesili se trouvent maintenant, moi, j'aimerais bien les gorger devant toi. C'est pour que tu en sois toi-même le témoin. Est-ce que tu comprends ça? Oui, va là-bas, lave-toi le visage complètement. Oui, enlève. Lave le visage complètement. Ogrégi Gogo. Ono Mbacho. Maintenant tu peux voir très clair. Ono Mbacho. Assieds-toi. Est-ce que veux-tu encore être couronné comme le roi? Non, jamais. Hein? Je ne veux plus être roi. Je vais mourir. Hein? Je vais me pendre. Je vais disparaître, partir. J'ai envie de mourir. Oh, non, c'est la mort que tu veux maintenant. Aide-moi,
Aide-moi à mourir. Hein? Très bien. Tu veux te pendre. Voici la corde, hein? La voilà. Merci beaucoup. Pendant que tu vas à la maison, tu vas essayer de chercher un arbre qui est tout près de chez toi. Et là, tu te pends, hein? Hein? Odogo, Wambacho, même juste sur la route, tu peux te pendre. Va te pendre là-bas. Va te tuer là-bas. Va te tuer là-bas. Oh, eh bien, je suis au cas bien, ma. Agouez aux agouons. On est sur la mère. On est beaucoup de Wenapola. On doit mêler. On doit. Akoube. Salut, Mazela Bouchi. Amène tes salutations sur la tombe de tes parents qui t'ont donné au Dieu en servitude. Je ne suis pas venu ici pour que tu m'insultes. Moi encore pour insulter mes défunts grands-parents. Écoute-moi, Mazela Bouchi. Je sais que tu planifies d'achever Uzuna après qu'il ait tué le roi Ezekwele. Tu poursuis désespérément le trône de Omagidi, mais tu ne le poursuis pas d'une bonne manière. Uzuna doit succéder le roi Ezekwele. Jamais, jamais. Cela ne se fera que si je ne suis plus vivant. Dans ce cas, je souhaite que ton âme repose en paix en avance. Tu mourras bientôt si tu continues avec tes plans maléfiques. Il est vrai qu'il y a un temps où le roi Ezekwese était égoïste. Mais ce qui te pousse à le tuer n'était pas de sa faute. Maintenant, Akoube, va-t'en de chez moi. Maintenant. Je partirai. Mais n'oublie pas, une mouche têtue suit les cadavres jusqu'à la tombe. Sois averti. Non. Akoube. Quelle insolence. Ah. Moi, au moins, nous qui n'a pas l'osso, car moi, il faut nous avoir coutu. Moi, je vais être sous le trône du moins guidé, et ça sera ainsi. Abomination. Hey! Haru! Peuple de Ouma guidé. Onowu que voici a enlevé notre roi. Yeah! Il l'a fait. Il a enlevé Ezekwesili, notre roi. Yeah! Oh oui. Pas seulement ça. Il l'a même tué. Et il a amené son corps. Nous ne savons où. Et il était seul. Quand il l'a enterré, personne ne sait où il a enterré notre roi. Oui. Parce que l'esprit de notre roi est vraiment très fort. Alors, l'esprit de notre roi a commencé à le tourmenter depuis ce jour-là. Alors, il n'avait aucune autre option que de venir ici et se pendre comme ça. Ça, c'est vraiment très méchant, très méchant. Oui, c'est ce qu'il a fait. Tu es vraiment un homme méchant. Très méchant, il est malin. Tu es tellement méchant, très méchant. Diable! Je vais informer tout le village de ce qui s'est passé. Oui. Ah. C'est vraiment la jeunesse. Alors, comme ça se passe toujours avec notre tradition, quand quelqu'un commet un suicide comme ça, nous jetterons le corps dans la forêt interdite là-bas. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'il faut faire. Afin que le vautour et les abeilles sauvages, oui, les abeilles sauvages vont se nourrir dessus. Oui, ça c'est bien. Alors, venez descendre le corps. Amenez-les à la forêt interdite. On va là-bas. Abomination. Dévoile-le. À la forêt interdite.
Ma princesse. Qu'est-ce qu'il y a? Ma princesse, je ne sais même pas comment m'y prendre. Oh. Ma princesse. Hey. Quoi? Je ne sais même pas comment m'y prendre. Oh. Celui-là, ce monsieur. Hey. Il a commis une abomination. Oh. Je n'arrive même pas à me prononcer. Laisse-moi y aller, je t'en prie. Jamais! Jamais! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Toute chose! Je dis toute chose qui serait un obstacle pour moi d'être roi! Tu es maintenant seul! Meurtrier! Je dois te laisser. Je te verrai demain. Does you trust? Maybe your enemies. There we come as helpers. There we come as friends. Evil agenda. Evil plans. Yeah, help evil agenda. Evil agenda. Ok, qui les grands messagers de notre royaume. Ikoukou. Je veux que tu ailles dans chaque maison et informe tout le monde là-bas que leur présence est voulue demain au palais. Ikoukou. Laisse tout le monde, jeune et vieux, soit là demain. Ok, Ikoukou. Ikoukou Malonia. Fais-le rapidement. Ton message sera délivré. Cher peuple de Oumuagidi, Ikoukou, le grand prêtre du royaume de Oumuagidi, demande à ce que tous les fils et filles de Oumuagidi se présentent au palais demain. Ne manquez pas. Écoutez bien, tous les fils et filles de Oumuagidi sont attendus au palais demain. N'y manquez pas. Peuple de Oumuagidi, le grand prêtre vous attend tous au palais. Peuple de Oumuagidi, le grand prêtre vous attend tous au palais. N'y manquez pas, car votre présence est indispensable.
Pourquoi je continue de voir des nuages pendant que je jette ça? Pourquoi? Je serai le roi de Umagidi et personne ne pourra m'arrêter. Je ne suis pas un tueur, encore moins un meurtrier. Mais vous avez tué quelqu'un pour monter sur ce trône. Je n'ai tué personne pour monter sur ce trône. Fermez-la! Tu mens et je déteste les menteurs. Maintenant, réponds à ma question. Je n'ai pas tué Iloane. Fermez-la! Tu as tué mon père assis sur ce trône-là. Maintenant, je veux te tuer. Ne le tue pas. Ah, Hakuba, tu es là? Oui. J'attendais ce jour. Pourquoi tu es déterminé de tuer le roi Ekwesili? Il a tué Eloane, mon père, pour monter sur ce trône. C'est un meurtrier. Quiconque t'a dit cela, t'a menti. La Bouti me l'a dit. Tu as tué mon père pour monter sur ce trône. Izuna, qui es-tu? Je suis Izuna, le fils du défunt Iloane que vous avez tué. Le premier fils de Ife Adigo. Ife Adigo? Mon fils? Izuna? Tu es mon fils. Akubi, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit la vérité. Considère ce qu'il te dit. Voici comment cela est arrivé. Yoma, hey! Oh, wasolu, hey! Ife! Iwawani, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Ife Adigo, je t'en prie, accepte ma proposition. Hein? Je t'aime bien, du plus profond de mon cœur. Écoute, je veux faire de toi ma femme, je ne parle pas de relation. Je veux faire de toi ma femme, Ikonu. Owanyoma. Owani, pourquoi tu es aussi stupide? Pourquoi tu choisis d'être stupide? Comment tu peux demander de sortir avec toi pendant que tu sais que moi et ton meilleur ami, Ekwesili, nous sortons ensemble? Et c'est quoi ça pour mieux un mariage, ok? Pourquoi n'es-tu pas encore venu avec sa famille pour demander ta main? Ça ne te concerne pas, ce n'est pas ton affaire. Écoute, laisse-moi te dire la vérité, laisse-moi te parler des faits, hein? Et c'est quoi ça? Ne peut jamais t'épouser. C'est mon ami intime, je le connais très bien, non? D'ailleurs, il m'a dit qu'il ne fait que s'amuser avec toi. Et mais Wane, si ton plan est que moi et Kozile nous puissions rompre notre relation, ça ne marchera pas.
Écoute-moi bien. Tu ferais mieux d'arrêter de me déranger, sinon je le ferai rapport. Traître que tu es. Ah, écoute. Écoute, il fallait que je ne fais qu'essayer de t'aider, moi. Hein? Je suis vraiment fort, je pourrais même te protéger dans ce village. Écoute, tu n'es qu'une petite amie. Tu n'es que la simple petite amie de mon ami. Voilà que tu es là à ouvrir ta bouche. Une simple copine, et tu le vois comme quelqu'un qui veut faire de toi sa femme de la maison. Eh bien, je ne te blâme pas. Je me blâme moi-même. Vas-y doucement, oh. Avant que tu n'ailles là-bas et ne tombes. Hey, je ne sais pas ce qu'il ne va jamais avec les femmes. Elles ne savent jamais qui les aime vraiment. Mais je ne te blâme pas. Odogo. Onzini. Odogo nyo nyo. Onzini. Akado wala do ano. Onzini. Stronger man in our village. Omo wan. Bambandi. Omo wan. Opadi wan. Okumba jene mo plo. Omo wan. Opadi di dre mo di dem madu. Onye mo aka. Ya wa ya azu. Jeli ko. Onye mo. Onye ga na go. Apia wa mi azu. Écoute pas avec toi. Si ça met toi des doutes, tu vas voir. Tu restes là. Oui, je te dis. E wa ifu na anya. Iwe nwanne. Ikota na ona ebe. Odogo na ebe ebe. Eh. Bambandi. Nki ba azu a. Ai kwa do lo ofu. Écoute, hein, dans cette communauté, il n'y a personne qui puisse me défier en quoi que ce soit. Absolument, tu as raison. Écoute, si même une personne n'a pas d'oreille, même une personne qui n'a pas d'yeux, même moi, mais je suis si étonné. Tu n'as pas d'oreille, au moins tu dois avoir des yeux. Que dire de plus, mon l'homme ami? Le plus fort. Que dire c'est de toi plus, le plus fort. Wanem, qui est cette je ne sais pas du tout. Votre règne se termine aujourd'hui. Qui est ce chien qui aboie? Je ne sais pas. Exact. Au juste. Je sais que je suis un chien qui aboie. Ilouane, ton règne se termine aujourd'hui. Hein? Qui a-t-il? Ilouane, je t'ai prévenu à plusieurs reprises de rester loin de Ifa Adiko. Mais tu continues quand même de te proposer à elle. Pourquoi? Non mais est-ce que tu t'entends parler? Hein? Hein? Es-tu insensé? Non mais est-ce que tu peux entendre cet homme? Non mais toi aussi, tu sais très bien que moi je ne soutiens jamais le mal. Mais tu sais déjà très bien, si vraiment tu n'as pas encore arrêté de déranger cette fille-là, ça veut dire que tu as tort. Allez, vas-y, ferme-la, monsieur Grenou. C'est quoi tout ça? N'importe quoi, quand tu vois que tu n'as rien à dire, alors ferme ta bouche. Écoute, laisse-moi te dire, hein? Va dans la maison de ses parents. Même si ce n'est qu'un bout de noix de cola, même si ce n'est qu'une bouteille, même si ce n'est qu'un gobelet de vin de palme, donne-les à ses parents. Comme ça, on saura tous qu'elles les tiennent et je lèverai mes mains. Exact, je lèverai mes mains, mais actuellement, tu n'as encore rien fait qui la concerne. Écoute, tu l'aimes bien, ça je sais. Sache que même moi, je l'aime aussi. Alors, nous allons nous battre pour voir qui gagnera son amour. Mais quelle merde est-ce que tu me racontes là? Et j'ai quoi, c'est lui? Tu entends quand même qu'il a raison. Exact. Au moins, si tu amènes même un noix de cola à ses parents, mais moi là, je serai de ton côté, non? Il a abouti, arrête de dire ça. Tu viens juste d'entendre ce qu'il vient de dire. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, hein? Arrête de dire tout ça. Écoute, tu l'as entendu. Et j'ai quoi, c'est lui? Calme-toi. Calme-toi, tu veux régler cette affaire. Au moins, calme-toi d'abord. Je vais lui parler au moins. Mais je sais seulement de dire que ce qu'il a dit, il a quand même raison. Mais en même temps, il faut que tu te calmes d'abord. Il faut te calmer. Vous allez juste vous battre comme lui-même, il vient de dire là maintenant. Écoute, tu ferais vraiment mieux de parler avec lui. Je n'ai pas votre temps. Laissez-moi vous dire, je peux être diabolique. Évitez-moi. De quoi est-ce que mais laissez-moi vous dire, on verra ça. Tu crois impressionner qui? On va voir ça. Écoute, laisse-moi te dire. Si tu vas raconter n'importe quoi, hein, écoute, c'est le calme. Je vais te décapiter. Igwanem, vous allez voir. Vous allez voir. Nous allons nous battre. On verra bien. Et on verra qui gagnera son amour. Mais je te dis de te calmer. Calme-toi. Laisse-moi lui parler au moins. Non, mais tu ne sais même pas te calmer. Il a abouti. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Mais attends d'abord. Laisse-moi être sincère avec toi. C'est pourquoi moi je n'aime pas les femmes. Je déteste les femmes. Écoute un peu, ce n'est pas comme ça que tu dois faire les choses, hein? Il faut que tu comprennes les choses au moins, et on y a un mais. Mon cher ami, regarde ce que tu dis. Regarde ce que tu racontes. Laisse-moi tranquille. Tu ne sers à rien. Tu devrais être de mon côté, mais, non? Attends-moi, je suis de ton côté. Je suis avec toi. Mais il faut que tu comprennes les choses, toi. Tu ne sais même pas me supporter pendant que je suis devant mes ennemis. Toi, ce et que je vais te faire, écoute-moi. Tout le monde le saura. Calme-toi, je vais régler ça. Je vais lui parler moi-même. Plus. Toi aussi, ce n'est pas comme si je le soutiens. J'essaye de régler l'affaire, hein? Je n'ai pas les problèmes. Tous les deux êtes mes amis, hein? Vous devez vous calmer. Toi, tais-toi, arrête de parler maintenant, s'il te plaît. Tu es l'homme le plus fort ici, je sais. La ferme. Nous tous sommes des très grands guerriers de cette terre. Et Dieu merci, nous sommes tous amis.
À part la discussion que j'ai eue l'autre fois avec Ezekwesero à propos de Ifa Adiko, hein, je pense que nous sommes tous des bons amis. Exact. Alors que pouvons-nous faire à propos de ceci maintenant? Que pouvons-nous faire à propos de ça? Mais Ezekwesero, dis quelque chose. Je crois que j'ai une proposition. Oui, vous voulez mais que vas-y, parle. Dis-nous. Il aboutit. Oui, je connais très bien qu'il est tellement fort, plus que nous tous ici. Je le sais, c'est vrai. Bien, laisse-le s'arranger pour être un roi. Qu'il ait la princesse et le trône aussi. C'est ma propre proposition. C'est une bonne idée, oh. Il a vraiment raison. Attends, il a raison. Aucun doute. Et tu attends quoi alors? Mais, écoute, le problème ici, c'est que je ne veux pas du trône, hein, ou bien la princesse. Je ne veux rien de tout ça. Écoutez, je suis vraiment très à l'aise à être le plus grand guerrier, à être le plus grand homme. Je préfère plutôt que Olabouti ici présent puisse aller au trône pour que je continue à être le plus grand guerrier, pour le protéger. Ah, mais écoute-moi mon frère, tu as bien parlé. Là, je n'ai aucun doute. Tu sais que tous les trois sont de très bons amis. Tu as raison. Et si un de nous devrait parvenir au palais royal, nous allons beaucoup en bénéficier. Je veux dire, chacun de nous aura bénéficié de quelque chose. Mais avant ça, j'ai quelque chose à vous dire là. Nous allons faire quelque chose ensemble. Et je crois que celui qui va gagner ira là-bas comme roi. N'est-ce pas une bonne idée? Ok, faire un truc en tant qu'ami quoi. Voilà. Ah, c'est une bonne suggestion. Uh-huh. C'est une bonne suggestion. Alors qu'en penses-tu, Ezekwesero? Oui. Je pense qu'il a abouti et très important. Oui. Oh, bien sûr. Je peux aller le faire. Mais oui, fais-le. C'est notre tradition quand même. C'est notre tradition. Résolvons le problème. On va régler ça. Il faut bien choisir. Hein. Mais ça, c'est bien ça. Tu vois cette solution qu'on cherche à trouver, ça sera en ta faveur. Mais... Je veux que ce soit en ta faveur, tu es mon frère. Ah, ok, mais qui suis-je pour dire non si ce sont les dieux eux-mêmes qui m'ont choisi, hein, qui m'ont choisi. Hey. Non, nous allons d'abord donner à mon frère. Oh, le plus fort. Oui, tu sais. Toi. Après avoir compté jusqu'à toi, je laisse ça tomber. Très bien. Ok. 1, 2, 3. Ezekwesere. Hein? Tu as gagné. Hein? Juste comme ton nom, Ezekwesere. Tu mérites d'être le roi. Cela veut dire que la royauté est faite pour toi. Non. Non, pourquoi? Mais il y a quoi? Non. Non, je ne vais pas. Ce n'est pas possible. Egoanye, il a abouti. Oui, c'est mon nom. Non, mais j'ai une femme dans mon cœur. Et ça, Ifa Adiko. Non, j'avais promis à Ichoda la maison. Écoute-moi d'abord. Tu n'es pas le seul à aimer Ifa Adiko ici. Je l'aime moi aussi. Dis-lui. Va chercher le trône. Laisse-moi prendre soin d'Ifa Adiko. Je vais l'épouser. Mais obtenons-moi cette chose. On ne peut pas laisser cette chose s'échapper de nos mains. Écoute-moi, Ezekwesero. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu remets en question les dieux qui viennent de te choisir? Imagine. Hein? Écoute-moi. Il est grand temps que tu oublies cette fille-là, Ifa Adiko. Et tu dois te concentrer sur la royauté. Sur la royauté. Écoute, non seulement Ifa Adiko. Est-ce que c'est une princesse? Je peux prendre soin de Ifa Adiko si tu penses que c'est un problème. Je peux très bien prendre soin d'elle. Hein? Je vais l'épouser. Hein? Il faut que tu penses un peu à ce que chacun de nous va gagner. Si tu deviens ici maintenant là, le prince couronné de notre royaume. C'est notre tradition. Hein? Quand deux personnes sont d'accord sur une seule et même chose, hein, c'est irréversible. Oui. Donc tu ne peux pas changer cette vision. Tu ne peux pas la changer. Les dieux ont pris leur décision et ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça. Mais hein? Je ne comprends pas. Écoutez, je me dirige vers chez Iwako pour avoir un très bon vin de palme. Afin que j'ai un peu plus de force. Kedi Kawasa Ade. Je ne sais pas si ça va te déranger de venir avec moi, mais si tu veux, tu peux rester avec Ezekwesere. Ezekwesere, écoute-moi. Les dieux ont déjà décidé comme ça. Sois juste ne prêt, pense, ne t'en fais pas, moment. La pense seulement la royauté. Tu ferais la royauté là est à toi. La royauté est à toi. Vérité. Attends-moi là. Dépêche-toi de venir, non? Tu ne penses qu'à la royauté, oh. C'est tout ce qui compte en ce moment. Mais toi aussi, attends-moi.
Hey, on dirait que je suis enceinte. Ifadiko, depuis que tu es venu ici, tu n'as même pas parlé. Tu fais que cracher à tout moment. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est quoi, je suis enceinte. Enceinte? Non. Comment tu peux te permettre d'avoir la grossesse? Hein? Pourquoi tu as voulu que ça arrive? Et c'est quoi, Siri? Comment tu peux me poser cette question? Comment tu peux me dire ça? Est-ce que je me suis rendue moi-même enceinte? Hein? Ifadiko, je ne la nie pas. Je sais que je le fais, mais... Et c'est quoi, Siri? Et c'est quoi, Siri? Le mieux serait que tes parents viennent voir ma famille. Vous devez venir officiellement chez nous, avant que tout le monde ne sache que je suis enceinte. Tu ne peux pas me forcer de t'épouser, hein? Regarde-moi, je suis très jeune pour me marier. Non, ne dis pas ça, je ne vais pas le faire. Tu es prête à aller te battre? Tu es prête à aller en bataille juste pour avoir la princesse comme ta femme? Tu ferais mieux de te dépêcher de venir chez nous. Je vais faire l'essentiel. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Elle est enceinte. Et je veux... J'ai fait le trône. Non. Il faut dire, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh, je suis foutu. Oh. Ah, ah. Qu'est-ce qui retient Ezekwesere? Il devrait être ici depuis longtemps. Mais oui, normalement, mais je ne sais pas. On attend seulement. Va venir ici. Mon gars, je n'aime pas ce qu'il nous fait là-haut. Sérieux. Ah, ah. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu sur la montagne. Hein? Où est le feu? Où est-ce qu'on doit se battre? Ce n'est pas une question de se battre. Et qui a un problème avec toi? Personne n'a des problèmes avec moi. C'est moi qui ai des problèmes avec quelqu'un. Alors c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Le problème est que Ifadigo est... Ifadigo est enceinte de moi. Hein? Hey! Abaka, tchala. Tu as même enceinté Ifadigo. Tu l'as vraiment mise enceinte. Hey, qu'en est-il de la loi que nous avons établie? Souviens-toi que cette loi est comme un vœu. Hein? Quiconque ira à l'encontre de cet accord mourra automatiquement. Hey, nous avons un problème. Écoutez, laissez-moi vous dire, nous devons vite trouver une solution, très rapidement. Oh, et que penses-tu que nous puissions faire? Écoutez, selon moi, elle doit seulement se débarrasser de cette grossesse-là. Hein? Se débarrasser de quoi? La grossesse. Es-tu malade? Es-tu insensé? Personne ne va se débarrasser d'une grossesse ici. Et si elle perdait sa vie durant le processus, qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là? Est-ce que tu es normal? On ne va pas se débarrasser de cette grossesse parce qu'il doit simplement assumer. Concernant ces problèmes, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cette grossesse d'Ifadiko? Je sais, voilà au moins que tu réfléchis. Hein? On va trouver une solution. Voilà ce qu'on va faire. Hein? Va voir Ifadiko. Hein? Va lui dire ouvertement que tu ne vas plus l'épouser. Hein? Je sais, calme-toi. Dis-lui que tu ne veux plus l'épouser, mais je sais qu'elle va te forcer à l'épouser. Là, accuse-la d'avoir couché avec différents hommes dans tout ce royaume. Une fois que tu l'auras accusée, elle va commencer à se sentir mal. Exact, elle aura le cœur brisé. Et là, je vais faire mon entrée. Et la consoler, la cajoler, la dorloter. Je vais pouvoir l'épouser. Afin de couvrir ta bêtise, tu sais très bien que je l'aime moi aussi. Alors on doit être d'accord, ok?
Comme ça, moi, je vais couvrir toutes ces bêtises. Comme ça, toi, tu iras au trône et vers la princesse. Et moi, j'aurai Ifa Digo. C'est vrai, oh. Tu vois, hein, sérieusement, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Hein. Jamais. Regarde ce que tu es en train de dire là. Ça n'a même pas d'importance. Mais qu'est-ce qu'il prend, ce garçon, au juste? Tu n'éloigneras jamais mon amour si loin. Jamais. Je te l'interdis. Tu sais très bien que je l'aime beaucoup, hein? Évite-moi avec ces idées-là. Écoute, arrête avec les mots diaboliques. Tous ici sommes diaboliques. Je ne vais pas. Oui, oh. Nous tous ici sommes diaboliques. Très bien. Regarde. Nous tous là, nous sommes diaboliques, de nature. Mais on n'a pas le choix. Il faut qu'il enlève encore cette grossesse. Nous n'allons pas faire ce que nous avons déjà fait. C'est impossible. Jamais nous n'allons encore le faire. Non. Mais pourquoi tu me dis ça? Écoute, sérieux, calme-toi. Hein? Laisse-moi te dire. Ce que tu dois faire maintenant, c'est d'accepter ce que lui vient de dire maintenant là. Très simple que ça. Écoute, laisse-moi te dire. Essaie un peu de penser, ah, si notre roi arrive à prendre ça, hein? S'il apprend qu'un de nous qui devons aller au trône, nous avons engrossé une fille, hein, mais la personne qualifiée sera disqualifiée. Mais c'est la vérité. Tu vas disqualifier la personne directement. Nous t'as besoin d'ailleurs une faveur. Laisse-moi te dire, tu devrais même lui être reconnaissant. Uh-huh. Qu'il ait même accepté d'effacer tout ton bazar. Imagine. La bêtise que toi tu as même faite. Écoute, tu devrais déjà aller chercher à acheter un book. Mm-hmm. Un book, mon ami, pour me remercier d'avoir accepté. Écoute, laisse-moi ces finir. Ce genre de faveur, ce n'est pas tous les jours. Écoute, Ezekosiri, laisse-moi te dire. Écoute-moi bien, hein. Si c'est moi, Ili Ibuchi, je ne peux jamais accepter une femme qui a déjà été engrossée par un autre homme dans ce village pour être ma femme. Mais encore, la personne qui l'a engrossée, c'est encore mon ami, hein. Ça ne peut pas marcher. Écoute, tu devrais même te coucher en ce moment et commencer à... Achète-moi un bout. Mon cher, tu dois m'être reconnaissant. Parce que lui veut essuyer ton bazar. On te parle maintenant là, non, je suis diabolique. Écoute, laisse-moi te dire. Tu laisses être diabolique ici. Si tu seras disqualifié, oh. Voilà. Souviens-toi de la royauté, souviens-toi de la princesse. Réfléchis. Laisse-moi voir Ifa Adigo. Mm-hmm. Au moins, je pourrai avoir Ifa Adigo et te laisser la royauté. Mm-hmm. Alors, on n'est pas le plus diabolique là, parce que nous le sommes tous ici. Nous sommes diaboliques. Hein? Bien sûr, on partagera tout ensemble. Mm-hmm. Tout ce que tu voudras, on va te le donner. Vous avez raison. Mm-hmm. Ça, c'est très bien. Bien. Va la voir. Mais... Qu'est-ce que tu veux encore dire? Il n'y a pas de mais ici. Tu dois accepter ce qu'il a dit. Il veut te dire. Regarde, il aboutit. Arrête de me stresser pour rien. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je veux faire en ce moment. Je vais... J'aimerais juste être écrasé vraiment, à tel point que personne ne va m'entendre. Cela ne sera jamais un problème du tout. Mm-hmm. Nous allons très bien le garder secret. D'ailleurs, tel que tu peux nous voir, nos deux bouches là. Fermées. Personne ne saura jamais cela. Et nous allons couvrir tes arrières. Mm-hmm. On va te sauver de cette merde. Hein? Écoute, Ezekosiri. Arrête de penser à cette fille là. Il faut penser à ce que nous voulons maintenant là. C'est d'ailleurs mieux. Tu dois comprendre ça, oh. C'est le meilleur choix que tu puisses faire. Voilà. Imagine un peu ce que imagine tu imagine la princesse. Hein? Toi, le prince couronné. On te donne du sucre pour faire du thé. Et tu dis que tu n'aimes pas le sucre. Ha! Ça va être volé. Hein? T'en fais pas. Je vais t'aider à te débarrasser de Ifa Adigo. Hein? Quand je dis de te débarrasser, parce que... c'est parce qu'on est diabolique. Si ce n'est pas nous, personne d'autre ne va t'aider dans ces problèmes. Qui est-ce qui pourrait accepter d'aider quelqu'un qui se trouve dans cette condition? Ah, mon cher ami, comme je te le disais, oh... Ah, vraiment? Onyeka, ce qu'elle m'avait fait l'autre fois, là... jette-moi un peu un œil à ceci, mon cher. Ifa Digo, qu'est-ce qu'il y a comme ça? Quel est le problème? Dis-le un peu pourquoi tu pleures. C'est clair pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Hey! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'es agi comme ça? Hein? Dis-le un peu. Je suis fini. N'est-ce pas que c'est Kouizili, ton ami? Est-ce que c'est le marron du 17 et m'a apporté la grossesse? Dites-moi que je rêve. Yeah. Donc tu veux dire que Ezekwasiri veut que tu apportes cette grossesse? Hey, bah non, comment ça? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ça. N'est-ce pas que c'est à cause de la princesse? Hein? Il est allé en bataille ici, jamais gagné. C'est lui qui sera son mari. Ah, Je vois. Donc c'est pour ça qu'il te fait tout ça. Ah.
Hein? Calme-toi, je vais faire un effort. Je vais aller moi-même essayer de lui parler. On n'a plus besoin de parler à Ezekwesere. Écoute, même si on parlait à Ezekwesere de maintenant jusqu'à demain, il n'y aura rien qui pourra faire en sorte qu'il change d'avis. Écoute, Wanem, je viens consoler ton cœur. Viens là, viens là. Viens, écoute. Écoute-moi. Je t'avais dit que Ezekwesere ne t'aimait pas du tout. Il ne t'aime pas du tout. Hein? Je sais même ce qu'il a l'habitude de dire derrière toi. Hein? Moi et mon ami Iloa pouvons même témoigner cela. Hein? Ah, ok, peux-tu imaginer? Il nous a même dit qu'il allait avorter cette grossesse. Et si jamais tu oses refuser, hein? Il va complètement te nier devant tout le monde. Hein? Ne vois-tu pas? Hein? Je suis fini, c'est ce qu'il vous a dit. Ah, bien sûr. Il a dit des choses bien pires que ça. Oh non, ma chère, écoute-moi, tu n'es pas encore fini. Hein? Je suis là pour toi. Je suis fort. Je vais prendre soin de toi. Hein? T'en prie, accepte ma proposition. Et tu me verras juste après 2 jours avec ma famille pour demander ta main. Pour couvrir toute cette honte, personne ne saura que tu es enceinte. Le bébé deviendra automatiquement le mien. Tu sais? Est-ce que j'ai un choix? Bien sûr que tu as le choix. Je n'ai pas de choix, non. Je suis déjà couvert de honte. Hein? Oh, tu as donc accepté? Oui. Hey! T'en fais pas. Demain, je viendrai avec ta famille. Hein? Hey! Wanyoma. Wanyoma. Ma future femme. Hey! Hey! Ne pleure pas, arrête de pleurer, tout ira bien, tout ira bien. Ilo, ce garçon est vraiment mauvais, il est très mauvais. Il n'est pas mauvais, viens. Ah, mon frère, écoute ce qui se passe là. Tais-toi, tous nos plans sont en train de fonctionner. Hein? Tous nos plans fonctionnent. Viens, allons-y. Hein? Viens, avance maintenant. Toi, je ne sais pas comment, tu es toujours au top. Tu es vraiment un homme fort. L'homme qui a battu le lion. Ah non, tu es vraiment fort, mon frère. Tu es toujours fort. Hein? Mon frère, non. Allons-y. Tu es très fort. Allons-y, tu es fort. C'est vraiment fort. C'est moi le plus fort. Tu es fort. C'est bien moi. Oh, c'est bien moi. Papa, je ne vais pas épouser Mosekwe. Il sait que je ne vais pas l'épouser. Je ne l'aime pas. Je n'ai pas de sentiment pour lui. Je veux quelqu'un que j'aime, papa. Tu dois l'épouser. Et comme notre tradition l'exige, il viendra prendre sa main. Et il sera également le prochain roi après moi. Et tu seras la reine. Alors que tu le veuilles ou non, tu vas devoir l'épouser. Et c'est ma dernière décision. Aucun sens. Papa, j'aime pas cet homme. Oh. Igwe, vivez longtemps. Okoro, vivez longtemps. Igwe, Okoro, qui est-il? Igwe, je viens de voir une noanée aller à la chasse au jour où il est interdit d'aller à la chasse pour nous. Igwe, vous savez très bien que c'est une abomination aujourd'hui pour nous. Et les jeunes sont là-bas en réunis pour l'enterrer vivant. Et vous savez très bien que c'est votre ami. Igwe, hey. Okoro. Oui, Igwe. Je ne pense pas que j'ai à dire à ce sujet. Vas-y et fais ce que la tradition demande. Hey! 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 Yowane, je suis désolé. Je ne vais pas t'aider. Je suis fatigué des traditions. Repose en paix, frère. C'était la dernière fois que j'ai posé mes yeux sur Eloi Abouti. Donc, vous êtes mon père. C'est bon. C'est bon, mon fils. Vous devez vous diriger au palais maintenant. Ikoko vient de rassembler tous les villageois. Ils sont tous au palais. Il veut s'autoproclamer roi. Ne soyez pas surpris. Il se peut que Olabuchi se présente là aussi. Alors nous devons aller au palais immédiatement.
Et qu'est-ce que tout le monde fait ici? Qu'est-ce qui se passe? Le peuple de Ouma Guidi, je vous salue tous. Je veux vous informer qu'il n'y a pas de royaume sans un roi. Alors, je veux que vous sachiez ceci, que au plus tard le prochain Ekédé, moi, Ikukumonia, je me couronnerai le roi de Ouma Guidi. Tu mens, Ukuku, tu mens. Qui es-tu? Qui est ton père? Qu'est-ce qui t'a donné l'audace de défier ma décision? Ça n'arrivera pas pendant que je suis là. Toi encore? Igwe! Papa! Tu m'as trop manqué. Tu es revenu. Igwe, c'est quoi ce renouma qui dit au Dawana, Bansunania? Au Dawana, Bansunana, Bansunania. Oui, j'ai dit, ma race, ça t'a remonté à ma moitié. Moi, on finit son bon à Kaka. Je croyais que tu étais fidèle. Non! Non! C'est impossible que tu sois encore en vie. Non! Non! Personne ne m'empêchera de devenir le roi du royaume d'Ouma Guidi. Très grand mensonge. Père! Ikubu, tu as menti. C'est plutôt moi qui serai le roi. Père! Comment peux-tu être si méchant? Tu as éloigné ma mère de moi. Et tu m'as formé comme un grand guerrier. Et tu as fait de moi les meilleurs. Tout ce que tu m'as dit, tu l'as fait par ton propre intérêt. Tu m'as menti que le roi Ezekwe Selesi a tué mon père. Comment peux-tu être si méchant? Tu m'as envoyé de tuer mon propre père, Timiné? Quel genre d'homme es-tu, père? Comment tu peux être si méchant? Ça, c'est parce que j'avais fait une promesse à Ezekwesiri avant de quitter ce royaume. Izuna, tu m'as abandonné. Ezekwesiri, ici présent, ne mérite pas de vivre. Non! Je suis à toi. La précieuse fille de Dieu, tu ne feras pas une telle chose. Tu paieras tes péchés au prix de ta vie. Personne, je répète, personne ne peut m'empêcher de m'asseoir sur ce trône. Oh, Père! Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu l'as tué? Izuna, je t'aime. Pourquoi s'il te plaît? Ezekwesiri ici présent ne mérite pas de vivre. Il a trahi Ewenoane à l'époque. Si je meurs maintenant, mon esprit reviendra pour la vengeance. S'il te plaît, je ne veux pas que tu meurs. Mais si tu avais fait quelque chose. Izuna, promets-moi que... Akube, s'il te plaît. Peux-tu me promettre que quand tu seras le roi, que tu vas, tu feras tout ce que tu t'es toujours dit. Ne meurs pas, s'il te plaît. Père! Père!
Izuna, tu ne peux pas m'empêcher de prendre ce trône. Le trône est à moi. Ah! Jamais! Ah! Je suis Yakoubé, la précieuse fille de Dieu. Tu ne feras rien du tout. Yakoubé, toi... Tu seras en péril. Yakoubé, toi encore. Hey! Hey! Akoubé, mais pourquoi tu ne l'as pas sauvé? Izuma, ne te préoccupe pas de mort. Focalise-toi sur les vivants. On a tué mon père. J'étais avec lui pour beaucoup de temps. Tu as un père. Ezekwesili est ton père biologique. Hey! Tu as aussi une mère, bien évidemment. Mais elle n'est pas là. Je ne la connais pas. La voici. Maman! Ma fille. Maman, tu te sens bien maintenant? Mon fils, je suis contente de te voir. Oh mon mari. Je te pardonne. Maman, tu parais en très bonne santé. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle m'avait amenée dans son hut. Qui? Agobel. Elle a bien pris soin de moi. C'est mieux que tu restes ici, toute seule. Hé, la bouche, chérie, tu ne peux pas me laisser ici toute seule. Non, ne me laisse pas mourir ici toute seule. Je ne peux pas te laisser récupérer ton fils. Il est mon seul espoir. Il a bouti. Il a bouti. Viens avec moi. Pardon, ne me fais pas de mal. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je suis venue te secourir. Alors viens avec moi. Qui es-tu? Je suis Agoubel, la fille de Dieu, la voyante et aussi la guérisseuse. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. S'il te plaît, viens avec moi. Thank you.
Pour avoir sauvé la vie de ma maman. Merci.